English lessons for beginners. Writing exercises. Hello, how do you do? Hello, how do you do? I'm fine. And you? I'm fine. Are you all right? Are you all right? Serial exercises 1 to be present simple. Lesson 0001.3.3 English for beginners. Dans cette leçon, qui est la continuité des deux exercices précédents où nous avions découvert et appris les pronoms personnels, nous allons continuer sur ces pronoms personnels et commencer à former de toutes petites phrases, petit à petit, au singulier, au pluriel, en fonction de l'utilisation des pronoms personnels. Ce document est téléchargeable sur le site internet acfinfo.fr ainsi que d'autres documents en format PDF. Dans cette leçon, vous remarquerez que nous avons une première zone qui apparaît ici et qui vous permet de prendre connaissance des mots, des articles, des adjectifs, des noms communs, en rapport avec l'exercice sur la partie gauche. Nous allons donc les utiliser dans cet exercice et vous entendrez au fur et à mesure les expressions en anglais que vous devrez soit répéter, soit choisir. 20 questions dans lesquelles il vous faudra faire un choix en fonction de ce qui est indiqué. Premier exemple, question 1, I, le pronom je, a student. Vous devez trouver le verbe be qui va bien pour que la phrase puisse être correcte. Donc nous commençons ici avec ce premier élément et vous avez à trouver et à écrire à la main chez vous, après avoir imprimé les documents, la réponse. Ici, la réponse est I am. I am a student. Sous forme contractée, I'm a student. I'm a student. Je suis un étudiant. À vous. You, a man. Vous, un homme. She, a woman. Elle, une femme. We, family. Nous, famille, au pluriel. They, friends, au pluriel. Ils, amis, au pluriel. It, a dog, singular. C'est un chien. It, a bike, singular, un vélo. It, cold, today, singular, cold, froid, today, aujourd'hui. They, in the car, plural. Il, au pluriel, dans la voiture. Andre and Monique, at home, plural. Henri et Monique, à la maison, chez eux. He, in the kitchen,
in the kitchen, donc il, dans la cuisine, singular. It's a male. She, in a room, singular. In a room, dans la chambre. She, elle. It, a nice car, singular. It, a nice car. Une belle voiture. It, a nice photo of you. It, a nice photo of you. Une belle photo de vous. It, possible. Singular. It, possible. Possible s'écrit de la même manière qu'en français, mais se prononce différemment. Possible veut dire la même chose qu'en français. It, a table. It, a table. Singular. A table, une table, veut dire la même chose qu'en français également, mais se prononce différemment. Table. It, not my car. Nous découvrons ici une première négation, not, pas, tout court. It, not my car. Pas ma voiture. You and I married, plural. Nous découvrons ici une forme au participe passé, married, marié. You and I married. À vous de trouver le verbe également. You and you, winners. Plural, you and you, winners. Winners, winners, c'est gagnant au singulier. Winners, gagnant au pluriel. And the last one, et le dernier, we, together today. Plural, we, together today. Together, ensemble, today, aujourd'hui. We have 20 questions. We have 20 questions. Nous avons 20 questions. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's the end of this exercise. Ceci est la fin de cet exercice. Nous verrons dans les prochaines leçons les corrections ensemble. Bon courage. See you soon. English lessons for beginners.